voir, à Vermeil, il y a des fleurs partout. Les gens sont gentils, on peut se baigner et faire du ski dans la même journée, manger du chorizo et boire du vin Estrella, le meilleur du pays. J'espère tellement que ça va te plaire. Ah, tu m'as promis le paradis, alors hein, faut t'accrocher. Je voulais aussi que tu connaisses ta famille. Ils vont venir à la gare nous chercher, tu crois? Écoute, Jérémy, j'aurais dû t'en parler avant. Tu sais, quand je suis partie il y a 15 ans, c'était pas seulement pour voir du pays. Dans l'accident qui a tué ta grand-mère, c'est moi qui conduisais la voiture. Je venais juste d'avoir mon permis et j'insistais pour prendre le volant. Les freins ont lâché. J'ai paniqué, j'ai pas su maîtriser la voiture. Merde. Mais c'était pas ta faute. C'était les freins. Ton grand-père n'a pas vu les choses comme ça. Mais tu crois qu'il t'en veut encore après tout ce temps? Je sais pas. On verra. Toujours des taxis ici. Jérémy, attention! Faudrait faire gaffe aux bagnoles ici, hein? Angèle? T'as compris? On n'est pas en Afrique ici, hein? Oh les gars, vous savez qui je viens de voir? Qui t'as vu encore? Elle traversait la place au moment où je jouais au boule, alors. Et qui, mon Dieu? Angèle Estrella. Ah! Angèle? Regarde, Jérémy. Là, c'est du Grenache, et plus loin, c'est du Mourvèdre. Et tout ça, c'est à ta famille? À ta famille? Ouais, tout ça, ça appartient au domaine. D'une colline à l'autre. Et de ce côté aussi? Oui, de ce côté aussi. On entend tout exploité. Irène? Elle est là, Angèle? Qui ça? Angèle, elle est revenue. Mais si, j'ai essayé de la rattraper, mais elle a dû passer par les lignes, là, je sais pas. Non, oui, c'est vraiment pas très drôle, ici. T'aurais pu prévenir quand même. C'est pas si simple. Ouais. Dis plutôt que tu préfères nous prendre au dépourvu comme d'habitude. Hein. Oh, zut. Allô? Eh ben alors, Louise, on n'embrasse pas sa vieille copine? Oui, Paul. Tu la reconnais? Et toujours aussi beau gosse? Il n'y en a jamais qui revient. Eh oui. J'étais sûre. On se maintient. Non. Angèle. Si, viens vite. C'est Paul, regarde. Il surveille les feux dans la région. Oh, ça va lui faire un choc. Arrête, Philippe! Retiens-le! Attention, ma chérie, attention! Arrête! Ah, il est toujours aussi nerveux. Hein. Je l'ai nourri au biberon. C'est la petite Claudine? Merci, j'ai eu chaud. Bonjour, je suis Angèle, ta tante. Bonjour, vous vous croyez au fin fond de la jungle? Ouais, c'est pas si loin de la vérité. Angèle! Paul!
Ah, laisse-moi te regarder. C'est toujours aussi belle, hein. Un peu palote pour une aventurière. C'est le voyage, on vient de loin. Mais dis-moi, c'est des vacances ou tu rentres au pays? Je rentre au pays, si vous voulez bien de moi. Ah bah évidemment qu'on veut bien de toi. Tu nous as tellement manqué. Je te présente Jérémy, ton neveu, Paul. Bonjour, monsieur. Monsieur. Alors écoute-moi bien. Si tu veux qu'on soit copains, tu m'appelles Paul, d'accord? Ok, Paul. Salut, mon pote. Tu l'as adopté? Une blanche peut avoir un fils black? Faut réviser tes cours de biologie, hein. Vous avez des bagages? Non, on a que ça, notre maison a été pillée. Tu veux nous raconter tout ça? Pour une fois qu'il se passe quelque chose dans ce trou. Allez, viens. Je vais t'installer chez la salle chambre. Bonjour, papa. Irène. Donne à ta sœur de quoi faire les lits. Le petit dormira dans la chambre d'amis. C'est ton grand-père. J'avais compris. Vous l'avez touché à rien? J'ai la chambre d'une morte. 15 ans sans nouvelles, tu crois pas que t'exagères un peu, petite sœur? Vous pensez plus te revoir? Vous auriez préféré? Pourquoi tu dis ça? T'es folle? C'est bien pourquoi. Angèle, je t'en ai jamais voulu pour la mort de maman. C'était un accident, et tout le monde le sait. Moi, je pouvais plus vivre avec ça. Je te comprends. Peut-être que j'aurais fait la même chose à ta place. Enfin, quand même, t'aurais pu écrire. Je m'attendais pas à te trouver au mas. Je pensais voir une brillante avocate. Oui, oh. Je me suis pas accrochée. Mais tu sais, à la mort de maman, j'ai tout laissé tomber pour m'occuper de papa. Je devais rester 6 mois et tu vois, je suis encore là. Toi qui rêvais de voyager? Ouais. On dirait que le destin a échangé nos vies. C'était toi qui rêvais de reprendre la masse. Puis c'est toi qui es parti. Tu regrettes? Non, pas du tout. J'ai fait mon bonheur ici, ça me va très bien. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? La guerre civile. Le Kanaga est devenu trop dangereux, j'ai eu peur pour Jérémy. La situation était déjà très difficile pour lui parce qu'il était le fils d'une blanche et d'un noir. Être métisse en Afrique, c'est être montré du doigt. Jérémy, cache-toi, va-t'en ! J'avais rencontré Patrice, son père, à l'université de Dakar. C'est un homme formidable. Il était étudiant en droit, moi je voulais devenir hydrologue. On s'est mariés et Jérémy est né. Patrice est devenu militant pour les droits de l'homme. Lorsque les troubles ont éclaté, il a été assassiné par les rebelles. C'était une cible idéale. J'ai continué le combat, mais lorsque j'ai été blessée, j'ai vraiment eu peur pour Jérémy. Je t'en supplie. Pas. Maman ! Regarde ce que m'a fait Jérémy. Les femmes dans son village ont tout ça. C'est bon ? Je savais pas que ça plairait une blanche. Et pourquoi pas, monsieur le biologiste ? Bon, allez, moi, je vais préparer le dîner. À tout à l'heure, bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il y a un problème? Rien. Mais dis-moi ce qu'il y a. Non, c'est Chlo. Elle m'a traité de cathare. Ah, bah alors, c'est qu'elle t'a la bonne. Oui, mais c'est quoi, un cathare? Les cathares, c'était nos ancêtres, des religieux du Moyen-Âge. La famille Estrella en descend. Alors, tu la trouves comment, ta famille cathare? Vachement blanche. T'en fais pas, ils ont beaucoup d'autres défauts. C'est ça, notre château? Oui, le berceau de nos ancêtres. Si on avait eu le même en Afrique, le Mbu n'aurait jamais pris le village. Pourtant, il n'a pas sauvé les cathares. Hein? Ils se battaient contre qui? Contre l'Église catholique. Les cathares l'accusaient d'être devenus riches et arrogantes. Eux, ils pratiquaient l'ascétisme. Ils voulaient atteindre la pureté spirituelle. Bah, dis donc, c'était pas des rigolos. Ça n'a pas empêché beaucoup de gens d'ici de se convertir. Alors, l'Église catholique s'est sentie menacée. Elle a envoyé les seigneurs du Nord pour les massacrer.
Le château Estrella a été leur dernier refuge. Une légende dit qu'ils ont caché leur trésor. Un trésor? Il y a un trésor? Mais c'est génial! Dans la légende seulement. Alors va pas traîner à l'intérieur, hein. Il y a des souterrains partout. Des souterrains? Mais c'est super! Jérémy, c'est dangereux, compris? Allez, viens. Mais je croyais que papa voulait se diversifier, lancer un vin haut de gamme. Oui, ben il a renoncé. Après ton départ, plus rien ne m'intéressait. Pour le village aussi, il a baissé les bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais bien qu'il y a la crise, mais on se croirait revenu 30 ans en arrière. Tu sais, Angèle, les mères font pas de miracles. Papa fait ce qu'il peut et je suis bien placée pour le savoir en tant que première adjointe. Ici, c'est dur pour tout le monde. En Afrique aussi, ça l'est. Le tout, c'est d'y croire. Écoute, Angèle, dis-toi qu'ici, rien n'a changé, sauf qu'il y a des problèmes partout et qu'on a pris un petit coup dur. Bon, tu peux me dire maintenant qu'est-ce que c'est? Mais tu le répètes à personne, hein? Allez, jurez, vas-y. C'est Rekikai, le dieu serpent. Et il veille sur moi. Tu crois à ça, toi? Mais oui. Papa m'a juré qu'avec lui, il pourrait rien m'arriver. Bon, tu viens dîner? J'ai pas faim. Dîner sans moi. Tu crois pas que tu pourrais faire un effort? C'est pas facile pour elle non plus. J'ai accepté qu'elle reste ici. Ne m'en demande pas plus. Et tu vas te torturer longtemps comme ça encore? 15 ans, ça va pas suffire. Christian, qu'est-ce qui te vient? On l'a perdu de vue. Il a eu des problèmes avec la drogue. Avec la drogue? Il peint toujours? Je sais pas, tu sais, on le voit plus trop. Hein. Ça aussi, c'est de ma faute? Personne ne dit ça, Angèle. Si j'étais pas partie, j'aurais épousé Christian. Il serait devenu un grand peintre, toi tu aurais terminé tes études. Et moi, je ne serais pas là. Tu regretterais rien, mon chéri. Rien. Pourquoi il est pas venu dîner avec nous? Tu crois que c'est à cause de moi? Parce que je suis noire? Mais non, dis pas de bêtises. Il a la tête dure, c'est tout. On va lui laisser un peu de temps. Mais 15 ans, ça suffit pas. Je comprends toujours pas ce qu'il te reproche. C'était les freins, l'accident. Écoute, l'important, c'est nous. Hein? C'est qu'on soit heureux ici tous les deux, d'accord? T'as raison. On va pas se laisser saper le moral par un vieux gracieux. Non. Je sais ce que tu penses. J'aurais dû te prévenir de mon arrivée. J'aurais dû te dire que t'avais un petit-fils. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. Tu as fui, Angèle. Une Estrella ne fuit pas, elle fait face. Une Estrella ne fuit pas. La fille du grand résistant devait résister à tout, faire preuve de courage comme son illustre père, c'est ça? Ne mélange pas tout. C'est pourtant la seule façon de comprendre pourquoi j'ai foutu le camp. Tu n'as pensé qu'à toi. Tu as choisi la fuite. Non, papa. C'est pour vous que je suis partie. Pas pour moi. En Afrique, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être digne de toi. J'ai travaillé comme une folle. J'ai aidé des gens. J'en ai sauvé. Je voulais me racheter. Quand je vois ce qui se passe ici, le domaine presque à l'abandon, vermeil sinistré, et cette résignation dans l'esprit des gens... Je me dis que c'est pas moi qui ai renoncé à me battre. Tu es mal placée pour nous juger, Angèle. Tu ne sais pas ce qu'on a vécu à cause de ton départ. Papa, je suis revenue. Je suis là. Qu'arrive ton temps? Trop tard pour moi, sûrement.
C'est peut-être pas trop tard pour Jérémy. C'est à cause de lui que je suis rentrée. Son père est mort. Il a besoin de son grand-père. Décidément, elle n'a jamais pu tenir en place. C'est plutôt une qualité, hein. Il n'y a rien à faire, Angèle est toujours la plus gonflée et la plus jolie, même 15 ans après. Tu fais un complexe? Même toi, tu le pensais déjà. C'est d'abord elle que tu voulais épouser, je le sais, hein. Oh, écoute, je crois que ça date un peu comme discussion. Il va falloir l'aider. Ça pose un problème? Non, non. Mais bon, elle débarque sans prévenir et puis... Elle redevient le centre du monde. Tout le monde se met à tourner autour de son petit nombril et tout ça est normal. Enfin, Irène, qu'est-ce que t'as? T'es pas heureuse de la retrouver? Si, mais sûr que si. Et j'avais une petite sœur et puis elle a disparu et puis... Je m'étais habituée à son absence. Maintenant, elle revient. Ça me fait tout drôle. C'est elle, c'est pas vraiment elle. Je sais pas. Mais justement, vous allez vous redécouvrir. C'est pas merveilleux, ça? Pendant qu'elle, elle parcourait le monde, toi, tu m'as épousée. Et ça prouve bien que la plus maligne des deux, c'est toi. Écoute, Angèle, elle a plus de mari, elle a plus de boulot, elle a plus de maison. Et avoir ta tête, on a l'impression qu'elle va tout piquer dans la minute. Elle n'est pas revenue pour ça. Christian? 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 C'était donc vrai. T'es revenu. Abîmé, hein. Je sais. Toi, t'es encore plus belle. Je me demandais si tu te souviendrais de nos signaux. Évidemment. Comment les aurais-je oubliés? Ça fait 15 ans, non? Je me suis souvent demandé si t'avais vraiment existé. Si tu m'avais vraiment aimé. J'aurais mieux fait de partir avec toi. Je te l'avais proposé. Je sais. J'avais peur de te décevoir. Peur de... pas être à la hauteur. Je sais. Comme un gosse qui n'aurait pas grandi. Tu vois, le problème avec la drogue, c'est que ça infantilise. Christian, je peux t'aider, si tu veux. Pourquoi tu ferais ça? Parce que tu fais partie des gens que j'aime. Et il n'y en a pas beaucoup. Je suis fidèle. Tu l'as gardé. Et toi? Continue à peindre. T'as le même regard qu'avant,
quand tu venais de terminer une toile. Non, tu te trompes. Enfin, je peins toujours, mais j'arrive plus à finir mes toiles. Il y a combien d'hommes dans ta vie en ce moment? Un seul. Mon fils. Oh oui, commence à pleuvoir. Je vais rentrer. Je passerai te voir demain. On a beaucoup de choses à se dire. Angèle, c'est bien que tu sois revenue. À demain. Divine Angèle. Marie. Sacrée bonne femme maintenant, notre princesse. Jean-Mi, Isa, venez vite. Venez voir qui y a. Bonjour. Ça alors, c'est pas vrai, c'est le petit Jean-Mi. Bah dis donc, je t'aurais jamais reconnu. Moi non plus. Isa, ma fiancée. Bonjour Isa. Bonjour. Il travaille au domaine. Comme chef de culture, tu as pris la succession de ton père? Ah, je fais des extras quand Irène a besoin de moi, elle s'en sort pas toute seule. Bon, voilà. Christian est là? Ah, je l'ai pas vu de la matinée. Je peux jeter un œil dans son atelier? Bonjour Odette. Bonjour monsieur le maire. Le docteur Blum vous attend dans votre bureau. Déjà au travail, docteur? Il va encore falloir en tondre quelques-uns. En plus de l'intoxication alimentaire, il y a des poux à l'école. Je m'en occupe. Alors, elle est revenue. On parle que de ça au village. Je m'étais juré de lui fermer la porte, et finalement... Elle est ta fille. Tu pourrais envisager de lui pardonner. Si tu crois qu'elle est venue me demander pardon? C'est une Estrelia. Elle doit te ressembler. Fière, cabocharde, entêtée. Et puis ça doit pas être facile d'être la fille d'un héros. Allô, oui. Ah, bonjour, Major. Quoi? Un accident, Angèle. C'est Jérémy qui l'a trouvé près du château. Il a dû tomber. De toute façon, c'est de ta faute. Tu lui as porté malheur. Tu l'as fait souffrir trop longtemps. Voilà la vérité. La mort a dû se produire entre minuit et 2h du matin. Vous n'avez pas croisé Christian Kalt hier soir? Non. Vous non plus? Dans la nuit,
n'avez rien entendu, rien remarqué? Personne n'a bougé du masque. Je suis insomniaque. Si quelqu'un était sorti, je l'aurais entendu. Vous pensez à un accident? Trop tôt pour le dire. Bien, je vous remercie, monsieur le maire. Je viens de m'informer. Tu dormais encore? On se ressemblait beaucoup. On a grandi ensemble. C'était un peu comme un frère. Et tu penses qu'il s'est suicidé? Comment tu peux en être sûre? Je sais pas. Je le sens. Je suis désolée, mon chéri. Je pensais pas que notre retour ici serait si difficile. Non, non, t'inquiète pas. Je suis là. Depuis le temps que je dis qu'il faut pas s'approcher du château, mais tout le monde me prend pour un couillon. Tu veux nous rejouer la malédiction des pharaons? Alors, qui a fait le coup cette fois? Les extraterrestres ou les cathares? Oh, faut pas plaisanter avec ça. Hein. Avec ça, on plaisante pas. Pas avec ça. En tout cas, la princesse de Vermeil n'a pas raté son retour. Plutôt fracassant, non? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Ben quoi, elle revient et le lendemain, on retrouve son ex écrasé au pied du château. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Oh, viens, viens. Tu vois Angèle? Oui. Tu la connais Angèle? Hein? Ben, c'est mon ami. Comme tous ceux de cette bande. C'est la jeunesse que tu insultes, espèce de con. Alors maintenant, tu la fermes et tu vas voir ton verre ailleurs! Foiré, là! Bravo, Gitan. Ouais. Bravo. Voilà. Bonjour, ça. Bonjour, je suis Angèle Estrella. Je veux voir le Major Maurice, s'il vous plaît. Angèle, entrez. Bonjour, Major. Bonjour. Allons au bureau. Asseyez-vous. J'attendais votre visite. Il y a des choses à me dire, je crois. Oui. J'ai rencontré Christian hier soir près du château vers minuit. On s'était pas revus depuis 15 ans. Et comment était-il? Nerveux, agité? Non, il était ému, comme moi. Mais quand je l'ai quitté, il avait l'air calme. Je peux pas croire qui ce soit. Suicidé? Pourtant, c'est l'hypothèse la plus sérieuse. Christian Kals était un instable. Vous vous êtes dit des choses désagréables? Non, au contraire, nous étions heureux de nous revoir. C'est un accident. Il a dû glisser. Avec la pluie, les abords du château sont dangereux. Il les connaissait aussi bien que vous, il me semble. Est-ce que vous avez retrouvé des traces de drogue dans son sang? Infime. Il n'en avait pas pris hier soir. Non, non, s'il a chuté, c'est pour une autre raison. Alors, comment ça se passe? Le juge a donné son accord pour l'inhumation. Entre la thèse de l'accident et celle du suicide, il n'a pas voulu se prononcer. Bien. Alors je te raccompagne? Non, mais si... Jean-Mi doit venir me chercher. José. Oui? À propos de l'enterrement, je préférerais qu'Angèle ne vienne pas. Mais pourquoi? Mais Marie, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Angèle, elle est pour rien dans la mort de Christian. Si. Christian, il l'aimait encore, Angèle. C'est pour ça qu'il a plongé dans la drogue. C'est parce qu'il ne pouvait pas l'oublier. Alors, quand elle est revenue, eh bien, il a eu honte de lui, de ce qu'il était devenu. Alors, il a préféré en finir. Je veux pas qu'Angèle vienne. Thank you.
pas aller à l'enterrement de quelqu'un qu'on a aimé, c'est comme cracher sur sa tombe. On n'est plus en Afrique, Jérémy. Sa mère préfère que je vienne pas. Mais c'est pas son enterrement, c'est celui de Christian. Tu te dégonfles. Bah moi, je vais voir Ulysse. Lui donne pas trop de sucre, il est vieux. Génial! Tu te fais des soucis pour Ulysse et Karl, mais tes amis, tu ne vas même pas à leur enterrement. Désolé, Marie. Quelqu'un qui doit se sentir coupable ici chez nous, ses amis. Ça fait des années que Christian est là. On l'a un peu aidé au début et après on a laissé tomber. C'est un coupable, c'est nous. Allez. Je vais organiser quelque chose à sa mémoire. On pourrait se retrouver aux ordres. Je vais en parler aux autres. Allez. Pourquoi tu fais ça? T'as pensé à Marie, à sa souffrance? Non, tu t'en moques, hein. Tu n'as pensé qu'à toi, comme d'habitude. Christian était mon ami, j'ai le droit de lui faire mes adieux, j'ai rien à me reprocher. Rien? Tu es sûr de ce que tu dis? Je sais que tu l'as vu le soir de sa mort. Je t'ai vu sortir. Et alors? Tu crois que je suis coupable de quelque chose? Oui, de beaucoup de choses. Ton égoïsme a fait énormément de dégâts. Arrêtez ça, c'est ridicule. Et puis c'est pas le jour. Ou alors expliquez-vous une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse. Paul, te mêle pas de ça. Pourquoi pas? Ça nous regarde, nous aussi. Faut que ça suffit. Écoute, papa, je me moque de ce que tu penses, toi et le reste du village. J'ai ma conscience pour moi. Moi aussi, j'ai ma conscience. Et elle me dit qu'il serait odieux d'infliger ta présence à Marie. Il faut que tu partes. Le plus tôt sera le mieux. Papa, tu peux plus faire ça. Qu'est-ce qui vous prend là? T'as raison, il vaut mieux que je parte. Non, Gilles. Papa, ne fais pas ça, tu vas le regretter. Tu sais que j'ai raison. Non. Maman, mais fais quelque chose! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire à la gueule? Fais ta valise, on s'en va. On va où? On rentre chez nous. En Afrique? Va faire ton sac, Jérémy, dépêche-toi. Arpa, c'est dégueulasse ce qu'ils te font. Je l'ai dit à maman, mais elle me dit que c'est une histoire entre toi et grand-père. Elle a raison, c'est exactement ça. Mais pourquoi elle lui dit rien?
Grand-père l'écoute, elle, maman. Écoute, Claude, ta mère a eu beaucoup de courage. Pendant que j'étais en Afrique, c'est elle qui a fait marcher le domaine. Et Dieu sait qu'avec le caractère de papa, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Tu peux pas lui demander de choisir entre lui et moi. Moi non plus, je veux pas qu'il choisisse. Eh ben moi, j'ai choisi. Je veux t'aider. Je veux vous aider, toi et Jérémy, tu comprends? Écoute, Claude, c'est gentil. T'en fais pas. Jérémy et moi, on a vu tellement de choses qu'on est devenus indestructibles. Angèle, vous allez où? Loin. Attends, écoute, c'est ridicule tout ça. Écoute, je vais essayer de lui parler. C'est pas la peine, Irène. On a loupé nos retrouvailles, ça devait pas être le bon moment. Et t'inquiète pas, cette fois-ci, je te donnerai de mes nouvelles. Tu me promets, hein? Qu'est-ce que tu dis? Je sais que tu me ramèneras pas en Afrique. Même si c'est le seul endroit où j'ai envie d'aller. Alors je reste. Tu restes? Tu restes où? Ici. Je me suis trompée, Jérémy. On veut pas de nous ici. Je m'en fous des autres. Moi, je veux rester ici, là, à Vermeil. Parce que c'est ton pays. Qu'est-ce que tu cherches à me prouver? Qu'on n'a pas fait 8000 bornes pour rien. Et tu proposes quoi? Ben, moi, rien. Dis, c'est toi ma mère. C'est à toi de trouver une solution. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma solution? C'est une maison de vendangeurs. On accueille les saisonniers à la grande époque. C'est chez nous ici, t'es sûre? Ouais, c'est tout ce que j'ai hérité de maman. Ici, personne ne peut nous virer, hein? Non, de toute façon, je vois pas qui viendrait habiter là. La cuisine. Piano. Après un bon petit ménage, ça peut ressembler à une maison. C'est pas difficile, hein. Non, mais tu sais, en Afrique, on avait pire. Alors? Bah, moi, ça me va. Et toi? Si ça te va, ça me va aussi. Angèle a quitté Vermeil à cause de la mort de sa mère. Et toi, à peine revenu, tu lui colles un autre cadavre sur le dos. Bianca, je savais que tu prendrais son parti. Est-ce que tu peux être vieux, je parle, maman? Oublie un peu tes principes. Vois les choses du bon côté. C'est ta fille, non? Je me le demande. Déjà, quand elle était petite, je ne savais pas comment la prendre. Tandis qu'avec Irène, c'était tout simple. Elle m'écoutait. Mais avec elle, c'est terrible à dire, j'ai l'impression d'avoir une étrangère devant moi. Et dis donc, tu aurais pu mettre un t-shirt propre. Ah ouais, lequel? Tu vois, c'est dans ce collège que j'ai rencontré tous mes amis. Une fameuse bande. Y'a une plaque? Ça me gosse. Oh, oula! Oh, ça va pas, non? Hé, je vous ai interdit de jouer ici, d'accord? Tu laisses ça, toi. Oh, dis donc, ça commence bien, hein. Ça va, mon grand? Ouais. Salut, Angèle. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, j'entraîne les momos rugby, là. Ah, bah, ça change ouais, de mes piliers de bar. Ouais. Oh! Qu'est-ce que c'est, ça? Hé, tu joues au rugby? Non. Hé, Nath, dépêche-toi, elles sont déjà rentrées. Ça va, mon grand? T'es excusé, toi, au moins? Il a un caractère, celui-là, je t'en parle pas. Ça commence bien. T'inquiète pas, mon grand. Je vais t'apprendre deux, trois trucs, ça va lui clouer le bec à l'autre. Et vous, jouez pas au football? Au foot? Malheureux, va. Personne joue au foot ici, c'est un sport de manchot. Ici, on joue au rugby. Allez, viens. Je vais t'accompagner chez le proviseur, c'est un ami. On va accélérer l'inscription, que c'est. Ah, tu sais, je suis pas pressé, hein. La
S'il vous plaît, le silence, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Merci. Je vous présente Jérémy qui arrive d'Afrique et qui maintenant va rester avec nous. Alors je compte sur vous pour l'aider. Au mieux. On est d'accord? Bon. Tiens, Jérémy, tu vas t'asseoir à côté de Nathalie. Voilà, assieds-toi. Nathalie, tu prêteras tes cours à Jérémy pour qu'il puisse rattraper son retard? Voilà. Non, allez, s'il vous plaît, vous vous taisez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. Hop, hop, hop. Hey. Chut, on se tait. Jérémy, quel était ton programme d'histoire au Kananga? Aucune idée. Oh non, allez, ça suffit. Chut, je ne comprends pas. Je suivais le programme français par téléenseignement. Plus d'autres cours sur Internet. S'il vous plaît. Nous, depuis une semaine, nous étudions l'histoire des cathares et la croisade lancée contre eux. Ça te dit quelque chose? C'était une communauté religieuse ascétique. Elle a commencé à attirer beaucoup de chrétiens. Donc, l'Église catholique a décidé de les faire massacrer par les seigneurs du Nord. Mais c'est très très bien, Jérémy. Bravo. Et plus précisément, en ce moment, nous étudions la vie de Simon de Montfort, qui fut à la tête de cette croisade. Et évidemment, ce conflit sanglant nous amène à faire un parallèle avec les guerres qui se déroulent en ce moment dans certains pays, et notamment en Afrique. Vous voulez dire quoi? Que les Africains sont des sauvages? Oh, mais non, bien sûr que non. Il y a des guerres en Afrique, ok. Mais ça n'empêche pas les gens d'être civilisés. Là-bas, un père ne chasserait jamais sa fille de chez lui sans avoir consulté les anciens du village. Bien sûr, on est d'accord. Bon, eh bien, si vous le voulez bien, nous allons revenir maintenant à Simon de Montfort. Oui, voilà. Claude ? Eh bien, dis donc, je savais que tu construisais un bateau, mais pas un voilier de cette taille. On est beau, hein ? Oh ! Ah, c'est loin d'être fini. Mais bon, c'est un bon entraînement. Un entraînement? Oui, je vais faire une école de construction navale après mon bac. À vous? Je te fais visiter? Oh, tu vas taper ça toute seule? Ouais. Waouh! J'ai prévu que deux couchettes, mais il y a des tas de rangements. Il faut ça pour traverser l'Atlantique. Quand je pense que toi, à mon âge, t'es déjà partie en Afrique. Dès qu'il sera fini, tu peux être sûre que moi aussi je me tire. Ah, tu m'as l'air bien pressée. Tu te plais pas ici? Ah, ça craint ici. J'en ai marre de me coltiner des frustrés. De qui tu parles? Bah, de mes parents. Pourquoi tu dis ça? Laisse leur temps à se reprocher leur vie. J'ai pas envie de finir comme eux. Jo, j'ai un service à te demander. Jérémy vient d'entrer au collège. C'est la première fois qu'il se retrouve au milieu d'enfants de son âge et... J'ai compris. Je vais lui filer tous les tuyaux. Le village, le collège, les bons, les mauvais plans. Les bons de préférence. Aïe! Ça va? T'as mal? Non, non, ça va, c'est rien, c'est rien. C'est moi, c'est une blessure. Mais ça va pas la tête, vous êtes complètement miro! Claude, je suis désolé, vraiment. Tiens, Angèle. Bonjour. Tu vois, j'ai pas changé, hein. Toujours aussi maladroit. En vrai, tu le reconnais? Merde, la peinture est arrachée sur 2 mètres. Fais tout repeindre et envoie-moi la facture, d'accord? Alors ça y est, t'as acheté l'angle par ici? C'est une bonne nouvelle. Tu viens ce soir pour Christian? Je sais pas. À cause de ce qu'on raconte. Les écoute pas. Si tu savais comme ma mère a souffert de leur ragot. Comment va-t-elle? Beaucoup mieux depuis qu'elle n'habite plus Vermeil. Elle t'embrasse. Elle t'a toujours apprécié. Merci. Mais merde, là-bas aussi est enfoncé. Oh, là, t'es en train de faire de moi ton sponsor. Bon, envoie-moi la facture, je te dis. À tout à l'heure, Angèle. J'espère que tu viendras. Ça me ferait plaisir de te voir. Manglin qui est vraiment changé. Je peux pas l'encadrer. Pourquoi? C'est un vautour. Dès qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de fric, il rapplique et rachète tout. Il croit qu'il peut tout avoir avec son argent. Oh, sois pas si dur. Il a une revanche à prendre. Il a été très malheureux quand il était petit. Ouais, malheureux? Pourquoi malheureux? Il a jamais su qui était son père. Et sa mère était la paria du village. Ouais, t'as raison, c'est pas cool. Allez, c'est pas grave. À Christian, notre ange déchu. Arrête de boire, Paul. Vous vous souvenez, les gars? Les concours? À celui qui montait le plus haut? C'est Christian qui gagnait toujours. Alors, j'ai peut-être ma chance maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, c'est idiot!
Arrête, tu vas te casser la gueule. Ça va, on le sait que t'as pas peur du vide. Paul, c'est pas drôle. Arrête, Paul. Arrête. Ah, Angèle. T'es venue? Qu'est-ce que tu préfères, Angèle? Je grimpe d'abord ou je te sers un coup à boire? Donne-moi à boire. Arrête. Regarde-moi, Angèle. Je rêvais de piloter le Concorde et j'étais à la manche de mon petit hélico. Je voulais faire le tour du monde comme toi et je me retrouve à tourner en rond dans ce bled paumé. Quand ta mère est amoureux, autant on emporte le tramontane. Hein. Mais arrête de gémir. Regarde autour de toi. T'es pas le plus malheureux. D'accord, je regarde autour de moi. Moi, je vois que des ratés. Hein. Ah bon? T'as une drôle de définition du raté. Pourquoi? Tu crois que le fric que t'as amassé change quelque chose? T'es un raté riche, c'est tout? Quoi? Qu'est-ce que t'as vécu de fort dans ta vie? Je t'ai même jamais vu avec une femme, à part ta petite maman, bien sûr. Hein? On est tous des ratés! Question au moins, il avait du talent. Et c'est lui qui est parti. Vous avez fait vos études à Nairobi, puis à Abidjan. Oui, et j'ai travaillé dans des exploitations minières en parallèle. En fait, je suivais les déplacements de mon mari. Il était avocat. Cela ne vous a pas empêché d'obtenir un doctorat d'hydrologie. Mention très honorable. Votre parcours est impressionnant. Dans un premier temps, je ne peux vous proposer qu'un poste de chargé de cours. Vous enseignerez la géologie aux étudiants de première année. Et l'année prochaine, vous pourrez devenir maître de conférence. Bien. Il faut que vous sachiez que je n'ai jamais enseigné. Ce qui compte pour nous, c'est votre connaissance du terrain. Glissez quelques anecdotes personnelles dans vos cours. Et je vous promets un auditoire passionné et sous le charme. Alors ça y est? Vous les avez, vos heures de cours? Pardon? C'est à moi que vous piquez la place, alors qu'il ne me restait plus qu'un an avant de finir ma thèse. Vous couchez avec qui pour avoir ce genre de piston? Mais vous vous trompez, je vous assure. Je sais que le Conseil Général est intervenu en votre faveur, et même le ministère. Ne vous inquiétez pas, vous finirez votre thèse. Je vous en donne ma parole. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas avec nous? Je sais pas. Allez, viens, on va pas te manger. Alors, ça va quoi pour la petite classe? Un café. Un café frais. Un diabolo menthe. Un demi. D'accord, deux diabolo menthe. Un demi. Okay. Et toi, tu prends quoi? Un petit noir. T'es lourd, c'est nul. Ici, je suis noir. Mais là-bas, en Afrique, j'étais blanc. T'étais blanc. Mais donc, t'as bronzé d'un coup, t'as fait des UV. Attends, je comprends pas. Regardez, en Afrique, là-bas, j'étais le petit blanc. Ici, je suis le petit noir, vous suivez? Tu l'as eu ton boulot? Non, finalement, c'était pas si intéressant. Salut, Angèle. Salut, Louis. Et toi, comment ça s'est passé? Bien. Tu t'es fait des copains? Ouais. Ils sont dans ta classe? J'ai une école du moins con. Et qui est cette charmante jeune fille? Une élève. T'en as connu de plus moche. Il n'y en a qui m'aiment pas dans cette classe. Écoute, Jérémy, il y a des imbéciles partout, même ici. Il y a aussi des gens formidables et tolérants. Mon grand-père, par exemple. T'as pas le droit de dire ça. Ton grand-père est quelqu'un de très exigeant, avec lui-même et avec les autres. C'est aussi une qualité. Tu peux entrer? Oui. Eh ben, dis donc. Eh ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein? Enfin, vous auriez pu trouver une bicoque moins délabrée, non? Peut-être, mais si on est chez nous, il n'y a personne pour nous virer. Non, non, je comprends. Enfin, si ça vous plaît. Et...
Comment tu fais au point de vue argent? Je termine mes économies en attendant de trouver du travail. Ah oui, tiens, il y a Irène qui m'a dit que tu avais rendez-vous avec... Ils n'ont pas voulu de moi. Hein? Quand le président de l'université a vu mon nom, il a dit « Ah, c'est vous la pistonnée? Allez voir ailleurs si j'y suis. » Tu te fous de moi, là, non? Oui. Il m'a proposé le poste et je l'ai refusé. Je me passerai de ton aide, papa. Surtout comme ça, en douce, pour pas donner l'impression de faire le premier pas. Ah, je te comprends vraiment pas. Tu n'es qu'une imbécile. On met dans quelle catégorie, lui? Imbécile ou formidable? Hors catégorie. Comme tous ceux qu'on aime. Madame Estrella, maître André Salan, huissier de justice. Papa, tu sais ce que c'est, ça? Une injonction à payer avant la saisie des cuves. Oui, c'est un petit problème de trésorerie. Bon, ça, sur mon bureau, je m'en occupe. Mais tu crois pas que t'aurais pu m'en parler? Ça fait 5 mois qu'ils envoient des lettres d'urgence auxquelles tu réponds même pas. Oui, bon, ben, je te dis que je vais arranger ça. Tu crois pas que c'est un peu vague, là? On va le trouver où, l'argent? Non, parce que s'ils saisissent les cuves, avec quoi je vinifie, moi? Fais-moi confiance. Et on va vendanger comme d'habitude. Je te le promets, ma petite Irène. C'est bien ce que je craignais, José. Votre taux d'endettement est trop élevé. La banque n'acceptera jamais un nouveau crédit, même à court terme. Non, mais attends. Tu sais que je rembourse toujours mes dettes, hein? José, vous perdez de l'argent depuis des années sur le domaine et je ne vois pas comment ça s'arrangerait. On vous rend service en vous refusant ce prêt, sinon vous allez à la ruine. Il faut trouver une autre solution. Écoute, si j'ai choisi cette banque, c'est parce que tu es l'un de ses administrateurs. Alors, fais un effort, Hugo. Tu sais que je tiens toujours ma parole. Oui, mais je vous dis que cette fois-ci, cela dépasse ma compétence. L'emprunt précédent, je l'ai obtenu à l'arraché. Cette fois, ça ne passera pas. Pourquoi ne me vendriez-vous pas quelques terres? Et je suppose que t'as un acquéreur tout prêt sous la main, c'est ça, hein? On dirait que vous m'en voulez d'avoir réussi. C'est pourtant grâce à vous, aux études que vous m'avez payées, que je suis là. Et si je vous rachète votre terre, ce sera pour vous donner un coup de main. Te remercie. Je me passerai de tes services. José, ne le prenez pas comme ça. Je n'ai pas oublié ce que je vous devais. Je préférerais un peu moins de gratitude et beaucoup plus d'efficacité. Mais alors, beaucoup plus! J'ai quelques économies, José. Si tu voulais... Ah, ça non, hein. Ça, alors là, il n'en est pas question. Enfin... Quel orgueil. Et pourtant, à moi, ça me ferait plaisir. N'en parlons plus, je te prie. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Eh ben, quoi qu'en pense, cher Hugo, j'ai encore quelques relations. Pourquoi tu as payé ses études à Hugo? Hein? Oh, ben... C'est très simple, hein. Sa mère travaillait comme saisonnière. Et le môme n'avait pas de père, mais très brillant à l'école. Alors j'ai fait pour lui ce que j'ai fait pour d'autres. C'est vrai. Pour moi, tu as fait beaucoup plus. Parce que je t'aimais. Pourtant, il y a quelque chose que tu m'as toujours refusé. Ben, laquelle? De m'épouser. Ça fait 12 ans que tu me dis non. Ben, écoute. C'est à cause des petites. Je ne veux pas qu'elles pensent que j'ai oublié leur mère. Écoute, les petites sont en âge de comprendre, tu crois pas? J'en ai marre, je voudrais t'aimer ouvertement, simplement... Pas comme une clandestine ou une voleuse. Eh ben oui.
Ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Un guérisseur m'a appris à recentrer le Likaba, l'énergie. Ah oui? Ça devrait aller mieux. Eh ben oui, dis donc. Et ça fait comme une bouffée de chaleur. Ah, dis donc, ça va bien. Merci, Jérémy. Dis donc, tu crois pas que tu pourrais me tutoyer? Je suis ton grand-père quand même, non? Ça servira à quoi? Tu nous as chassés de chez toi, maman et moi. Mais non, je ne vous ai pas chassés. J'ai mis une distance entre vous et moi, c'est tout. Pourquoi on n'a pas la lèpre? Ta mère et moi, on a un sale caractère, vraiment. Hein? Et puis, c'est pas facile, crois-moi. Dis, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi tu as interdit le château à tout le monde? Tu y crois, toi, à ces histoires de malédiction? Mais non, c'est pas ça, c'est une question d'éboulis. Ah, là, il est en ruine, t'as bien vu? Mais Dédé dit que les cathares cachaient un trésor. Mais non, écoute, Dédé, il raconte des histoires de brigands. Là, les cathares, ce qui nous ont légué de plus important, c'est une morale. Tu vois, des principes de vie. Voilà. Si tu veux, je te les apprendrai. Hein? Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Eh bien, c'est parce que t'es mon petit-fils, nom de Dieu. Allez, bon, on y va. Ah! Bouge pas, je vais chercher maman. Non, non, j'ai... Jérémy! Jérémy! Et non! Merci, docteur. Ça va? Oui, bien sûr que ça va. Ils m'ont fait des dizaines d'examens pour rien. Je me sens en pleine forme. Hey, où est passé Jérémy? Il est parti chercher à boire. Angèle, je voulais te dire... cette maison, c'est pas un endroit pour élever un enfant. Reviens au masque. La porte n'est pas fermée. Vraiment? Toi, tu viens de te rendre compte que tu avais un petit-fils. Ça me semble évident, non? Écoute, Jérémy adore notre maison. Je crois que c'est mieux comme ça. Oui. Eh bien, Bianca, qu'est-ce qu'il y a? T'es toute pâle. Mais non, ça va, ça va. Angèle, Bianca. Bonjour, Angèle. Enchantée. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Ah bon? Bianca est médecin scolaire à Vermeil. Ah, et vous connaissez aussi papa depuis longtemps? Oh, depuis toujours. Je suis juive. Ma famille a été déportée pendant la guerre. Et moi, j'ai survécu grâce à José, qui m'a fait passer en Espagne, comme beaucoup d'autres. J'avais un an. Et vous vous êtes retrouvée par hasard? Oui, par hasard. Je me suis installée ici il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que tu as? Rien du tout, tu es en pleine forme. Bianca nous racontait comment ton grand-père avait sauvé des gens pendant la guerre. Bon. Les éloges funèbres, on verra ça plus tard. Hein? Allez, viens, on y va. Ah, restez pas une seconde de plus ici. Ce sera d'ici une vingtaine de minutes. Génial! Excuse pour l'autre soir, j'ai été un peu lourd. Ah, écoute, on était tous un peu remués. Puis t'avais un petit peu trop bu, hein. Je me sens comme un lion en cage ici. Je supporte plus Vermeil, voir tout le temps les mêmes têtes. Moi, je trouve que c'est un luxe. C'est même pour ça que je suis revenu. Ah, moi, tu vois, j'ai jamais le courage de larguer les amarres. T'en as eu pour fonder une famille. Ça vaut bien quelques voyages, non? Ouais. Je me sens dans une impasse, Angèle. J'arrive plus à me projeter dans l'avenir. Mais attends, tu parles de toi comme d'un type qui aurait jamais rien fait de ses petites doigts. Va raconter tes exploits contre le feu, tous les risques que tu prends. Si c'est pas héroïque, ça. Alors je suis un héros fatigué. C'est pas Paul qui vous envoie. C'est la Providence. Voilà 2 mois que je cherche quelqu'un comme vous pour couvrir les Pyrénées orientales. Ce ne sont pas les hydrologues qui manquent pourtant. C'est vrai. Et vous avez un gros avantage sur vos concurrents. Vous êtes de la région. Vous connaissez les Catalans? Si je leur envoie un Parisien, ils vont le recevoir à coups de fourche. Depuis Simon de Montfort, on se méfie des gens du Nord. Je dois vous expliquer quelque chose. L'agence n'a aucun moyen légal de sanctionner les pollueurs. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les convaincre de respecter l'environnement. Ce que je vous propose, c'est un travail de médiatrice. Pas de flic. D'accord. Donc si je détecte une pollution, je réunis tout le monde autour d'une table et on en discute, c'est ça?
C'est ça. La palabre. Comme en Afrique. Fonctionne. Plus d'altimètre, plus de compas. Chaque fois qu'on survole le château, c'est pareil. Il émet un champ magnétique très puissant. Et comment t'expliques ça? Je l'explique pas. J'ai fait passer la consigne à tous les pilotes. Interdiction formelle de survoler le château sans visibilité. Est-ce que ce rayonnement pourrait avoir un lien avec la mort de Christian? Non. À mon avis, sa mort restera toujours un mystère. Salut José. Salut petit. José, tu dois m'écouter maintenant. Quand tu seras à jeun. Arrête de te moquer. C'est le château qui nous a pris Christian et Béatrice aussi, tu le sais bien. Il émane des ondes, de mauvaises ondes. Alors il faut trouver la cause du mal et l'arracher du château. Alors si tu me laisses faire des recherches. Écoute-moi bien, Lily. Si je te retrouve à traîner là-haut, je te brise les os. Et ce ne sera pas une histoire d'ondes. Je te le garantis. T'as compris? Château va te porter la poisse à toi aussi. Hein? Pourquoi tu t'intéresses pas à autre chose, bon Dieu? Ça nous fait des vacances, hein, mon grand? Tu viens dîner à la maison ce soir? Non, ce soir, j'ai pas le temps. Je te remercie. Encore merci pour la balade. Et bravo encore. Alerte numéro 2, décollage immédiat. Toi, t'as la tête de quelqu'un qui a un truc en travers de la gorge et qui n'arrive pas à le sortir. Comme toi. Puis quand j'allais revenir, je vois bien que t'as la tête ailleurs. Forcément, hein. Je compare nos vies et je me dis que la nôtre n'a pas tenu ses promesses. Et toi, c'est quoi le problème? Fais pas semblant de t'intéresser à mes problèmes. Qu'est-ce que t'as, bon sang? Le domaine est au bord de la faillite, Paul. Quoi? T'en es sûr? J'ai appelé les distributeurs en douce pour savoir où en étaient les comptes. En 2 ans, les ventes ont chuté aux 2/3. La caisse est vide. Putain. Si ça pouvait être vrai, je te jure, ce serait une bonne nouvelle. Je te remercie pour ta solidarité. Et comme ça, on mettrait la clé sous la porte, et toi, tu nous foutrais la paix avec ton sens du sacrifice. Hein, on pourrait laisser le masque à ta sœur qui en rêve. Sûrement pas. J'ai pas porté ce domaine à bout de bras pendant 15 ans pour l'offrir à Angèle. Mais puisqu'on est en train de faire faillite, on est en train de couler. C'est le Titanic ici. Peut-être. Moi, je quitterai pas le navire. Qu'est-ce qui m'a foutu de bonne femme pareille? Putain, mais c'est du granit que t'as dans la tête. Comme ton père, comme ta sœur, comme ta fille même. Ah putain, on peut dire que j'ai de la chance, moi. Écoute, Irène, on pourrait justement en profiter pour essayer de redémarrer autre chose ailleurs. Écoute-moi,
Dans un an, Claude va mettre les voiles. Et nous deux, on va se retrouver comme deux cons ici à se morfondre en tête à tête dans ce trou. Tu sais, t'es libre, Paul. Si t'as envie d'aller refaire ta vie ailleurs, personne t'en empêche. Votre sac. Quoi? N'avez pas lâché 3 mots en 1 heure. Oh, je me demandais juste, après votre carrière en Afrique, ce que vous connaissiez du pays. C'est ça qui vous tracasse? Oh, il y a ça, et puis il y a Balaru, hein. C'est un homme de diplôme, lui. Moi, j'aime pas mon bac, alors. Je peux pas juger. Mais quand même, ils recrutent que des cerveaux, alors que notre boulot, c'est de l'estin et du terrain. Tout ça, ça fait qu'on n'a pas grand-chose en commun, vous et moi, hein. J'étais pas venu ici depuis mon enfance. Ouais, c'est beau. Pour combien de temps, hein? Avec toutes ces constructions, ces 4x4 dans nos chemins de randonnée, sans compter les incendies. Vous êtes toujours aussi optimiste ou c'est moi qui influe sur votre morale? Quand vous aurez vu ce que j'ai vu pendant 30 ans, hein? Autrefois, mon père voulait qu'un parc naturel soit créé sur le massif pour le protéger. Ouais, je connais le projet. C'est vrai que le parc naturel, ça limiterait les dégâts, hein? Mais faut pas rêver, c'est pas pour nous ça. Hein. Pourquoi? Il faudrait d'abord que tout le monde soit d'accord. Les maires des villages, les chasseurs, les agriculteurs, l'administration. Vous arriveriez même pas à leur faire chanter la Marseillaise ensemble, alors. S'il n'y a pas d'autre solution, ils y viendront peut-être. Ah, une averse de chaleur. Aïe! Ah, attention, attention, attention. C'est rien. C'est des poils de chenille. C'est urticant et ça provoque des irritations de la cornée. Vous en avez juste pour quelques secondes, là. C'est incroyable, ça m'a complètement aveuglé. Les chenilles, elles se débarrassent de leurs poils pour se protéger des insectes. Après, elles font leur nid dans les pins et quand il pleut, ben, ça vous tombe dessus. C'est fou. J'ai failli tomber. Tu vois, c'était bien un accident. J'en étais sûre, il a jamais voulu nous quitter. Ça change quoi? Il est plus là. Et toi, qu'est-ce que tu es venu chercher? Des excuses? Non. Non, je voulais juste te dire que j'ai jamais abandonné Christian. À l'époque, je lui ai proposé de partir avec moi, il a refusé. Et tu sais pourquoi? Non. À cause de moi. Oui. À cause de toi et de Jean-Mi. Il voulait pas vous laisser. Marie, on s'est toujours promis qu'on s'aiderait, Christian et moi. Alors à partir de maintenant, j'aimerais veiller sur toi. Si tu veux bien.
Et la peine de mémoire après ton départ. Oh mon Dieu. Celle-là, il aurait aimé que tu l'aies. Tiens, j'en suis sûre. Tu vas quand même pas danser avec un vieux schnock, non? Mes copines te trouvent très bien pour un vieux schnock, allez! C'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. Putain, le black qui sont même plus pissé. Tais-toi. Allez, monsieur le maire. Écoutez-moi ce muscat, vous m'en direz des nouvelles. Ma cuvée spéciale, Louis 93. Non, non, laisse-moi la bouteille. Ce soir, c'est la fête. D'accord. José, tu devrais pas. Et en cas, c'est la première fois que tu joues au docteur avec moi. J'ai reçu le résultat de tes examens. Ben, je me sens en pleine forme, c'est ça qui compte, non? D'accord. Je devine l'étendue des dégâts. Combien de temps? On va faire des examens complémentaires. Il faut que tu te ménages surtout. Dis-moi la vérité. S'il te plaît. Mets tes affaires en ordre, José. Louis, à boire! Ça marche. Tu bois trop, Paul. T'apprécies même plus. Occupe-toi de tes fesses, le gitan. Je reviens. Et Claude, j'ai un petit service à te demander. Tu veux pas inviter Jérémy à danser parce qu'il est tout timide là-bas? Oui, merci. Allez, Louis, sa mère. Angèle. La belle Angèle. Merci. Santé. C'était leur danse, Paul. C'était le tango de mes parents. De boire autant. Si, si, parce que j'ai que ça pour m'éclater. De toute façon, t'en as rien à foutre, toi, hein? Tout ce qui compte pour toi, c'est continuer ta petite vie à la con, même si j'en crève alors! T'as pas le droit de dire ça. Je t'ai toujours suivi. Je l'ai toujours suivi, hein. J'ai jamais rien dit, je me suis toujours écrasé. Bah maintenant, j'en ai marre, d'accord? J'en ai marre! Alors maintenant, tu me lâches et tu vas au diable! Papa. C'est compris? Passe. Je sais pas. Attends, laisse, j'y vais. Ma petite maman. Ça va, ma chérie. Je sais pas ce qu'il a. Viens danser. Allez, viens. Oh.
qu'on l'arrête, ce cirque. Irène n'a pas mérité de telle vacherie. Mais de quoi tu parles? Tu veux pas passer ta vie à lui reprocher tes rêves d'ado? Grandis un peu. Puis arrête de te gâcher la vie. Si j'étais à sa place, moi... Tu t'es ni à sa place ni à la mienne, d'accord? T'as pas le droit de la faire souffrir pour des conneries. Tu me fais bien souffrir, toi. Moi? Elle, Vlad, tu vas pas que tu la colles. Laisse tomber, ils sont trop cons. Elsa, je te parle. Tu as touché, je t'en colle, ok? Tu crois que tu m'impressionnes? Tiens, voilà ce que tu dis, sage! Merde, la conne, lâche-le! Je vais te casser la figure! Lâche-toi, connard! Qu'est-ce que tu vas s'arrêter? Putain! Connard! Mon collier! Irène, va chercher Angèle! Irène, attends! Paul, c'est quand même pas à cause de moi tout ça. Si je t'avais épousé toi et pas Irène, je serais pas là à me torturer la tête pour toutes les choses que j'ai pas faites, quoi. Je les aurais vécues avec toi. Pour toi. C'est ridicule, enfin, ça a pas de sens. Arrête! Angèle! Jérémy s'est enfui! Il y a eu une bagarre! Quoi? Il a pris une moto! Mais il est parti où? Je sais pas, il a perdu ça. Ça, Paul. Pourquoi tu nous fais ça? Mais elle voulait pas, Irène. C'est moi, voilà. J'ai bu, je suis bourré, bon. Et tu crois que tu vas me faire avaler ça? La vérité, c'est que 15 ans après, t'es encore amoureux d'elle. C'est pour ça que tu bois. Non! Non! Je bois parce que j'en ai marre de cette putain de vie, Irène. Ah oui. Angèle rentre d'Afrique et tout à coup, t'en as marre de ta vie. Avant, elle t'allait plutôt bien, ta vie. Parce qu'Angèle est là. Elle a eu le courage de partir, de se mettre paumée, voilà. Ah oui, c'est magnifique, quel courage. En attendant, elle n'a rien assumé. Le boulot, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui étais là, ça compte pas, ça. Mais attends, tu crois que je vais applaudir parce que t'as tout sacrifié à ton père et à son putain de domaine? Mais c'est pas mon choix, ça, Irène. Moi, je rêvais d'autre chose quand on s'est rencontrés. Tu lui reproches quoi, notre vie? Tu m'aimes plus, c'est ça? Tu m'aimes plus, Paul. Battu, il m'a arraché le collier de papa. Regarde, il a tout l'air trouvé. Tu vois, il y a des gens qui t'aiment ici. Moi, je les aime pas.
soit ils sont trop gentils parce que je suis black, soit ce sont des salauds de racistes. Je veux retourner en Afrique. On y retournera un jour, mon amour, je te promets. En attendant, on va pas se laisser avoir par quelques imbéciles. Je veux repartir. En Afrique aussi, les Noirs se moquaient de toi, parce que t'es métisse. Et alors, je serai jamais chez moi nulle part ? Si. Ici, tu seras bientôt chez toi. Je te jure, je ferai tout pour. Maman, papa me manque. S'il était là. Je sais, mon chéri, je sais. Mais il est là. Il est avec nous. C'est lui qui nous donne la force de tenir. Papa, il s'est battu jusqu'au bout pour que les salauds n'aient pas raison. Il en est mort. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit forts tous les deux. Tout va bien se passer. Ouais. Tu me promets de rester calme et de pas te battre. D'accord. Hein. Bye bye. Excusez-moi, je suis en retard. Bon, ça va pour cette fois. Allez, va t'asseoir. Viens t'asseoir. Jérémy, assieds-toi. Allez, dépêche-toi. Bon, on va commencer. Aujourd'hui, les différents types de cultures aux États-Unis. Soit on devient pote, soit je te maquille l'autre œil. Papa ? Tu sais où tu vas aller ? Louise va m'héberger, le temps d'y voir plus clair. Tu peux venir sur mon bateau si tu veux. C'est pas un 4 étoiles, mais bon. Non, je veux pas que ta mère pense que tu prends parti pour moi. Tu sais, ce qui m'arrive, c'est pas de sa faute. C'est plus général. La crise de la quarantaine ? Peut-être. Bah écoute, tu perds. Si t'as besoin de moi, je serai là. Ok ? Allô ? Oui ? Prenez soin d'elle, hein. Mais attendez, mais c'est pas possible, lui, vous voulez notre ruine ou quoi ? Flo ! T'as pas vu ton grand-père faire une catastrophe, ils vont saisir les cuves ! On n'a rien à foutre de tes cuves, t'as pas l'impression qu'il se passe des choses plus graves en ce moment ? Oui, pas chez moi, tout est plus beau, c'est vrai. Irène ? Irène, qu'est-ce que tu fais là ? Paul est parti. Parti ? Et pourquoi ? Soi-disant pour réfléchir. On sait où ça mène. Assieds-toi. Tu sais, dans un couple, au bout d'un moment, on a parfois besoin de se remettre en cause. C'est normal. Tu dois pas dramatiser. Il dit qu'on a raté notre vie. Il dit que je l'ai enterré vivant. Évidemment, toi, t'as tous les courages. Enfin, il sait bien que c'est faux. Tu le lui as dit ? Mais je fais que ça. Lui dire qu'il a rien à m'envier, qu'il est en plein fantasme. Tu lui as dit qu'il fantasmait quand il t'embrassait sur la plage. Irène, qu'est-ce que t'es en train d'imaginer ? Rien. Je sais qu'il t'a embrassé de force. Tu disais ça des garçons quand t'étais plus jeune. Histoire qu'on ne prenne pas pour une allumeuse. Oh, écoute, tu veux pas me faire tes crises de jalousie, on a plus 15 ans. Je sais plus où j'en suis. Tu veux que j'aille lui parler ? Oh non, surtout pas. Il attend que ça, justement. Surtout pas. Papa, tu es là ?
Papa, ouvre-moi. Papa, ils vont saisir les culs. S'ils font ça, c'est la fin du domaine. Salut Claude. Je voudrais parler à ton père. Paul, il faut qu'il retourne au Mas. Irène est très malheureuse. Toi, t'as pas l'air beaucoup mieux. Dis pas que ça te fait de la peine. Tout ce qu'on a compté pour toi pendant 15 ans. Écoute, il s'agit pas de moi. C'est vraiment du gâchis. Je suis fatigué. J'ai besoin de faire le vide. Irène, elle a pas son mot à dire ? Non. Cherche pas à comprendre, Angèle. Tu sais pas ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et elle, tu y penses ? Elle me comprend, elle est comme moi, elle. Hein, Claude ? Ouais. La vie pépère, c'est pas pour nous. Dès qu'on peut, on se tire, hein, papa ? Mais ta mère, Claude, on en fait qu'à sa tête. C'est elle qui a choisi de rester en ce trou. Elle a fait vivre le domaine. Tu crois pas que ça lui a demandé de l'énergie et du courage ? Peut-être. Et nous, on est des oiseaux migrateurs. On a besoin d'horizon. Pas comme toi. Qu'est-ce que c'est que cette antiquité ? Moi, j'aimerais pas être déçue. Monsieur, gendarmerie nationale. Merci. C'était bien, Ziesda. Vous êtes bosniaque. Profession ? Zoologue. Je demande l'asile politique. Je suis menacé de mort là-bas. Est-ce que vous connaissez en France des personnes qui pourraient vous cautionner ? Se porter garant de vous ? Ah non. Bon, attendez là, s'il vous plaît. Hein. Major Maury. Donc il s'agit d'un ressortissant bosniaque du nom de Zvezda, prénom Stepian. Il compte demander l'asile politique. Non, pas de visa, il connaît personne non plus. Ah, mais il est épuisé là, hein. Tout de suite. D'accord. Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser accoster le territoire français, il faut qu'on vous reconduise à la limite des eaux territoriales. Mais j'ai pas fait de demande d'asile. Je sais, monsieur, je suis coincé par ma hiérarchie, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qui se passe ? Visiblement, il le renvoie vers les eaux internationales. Je suis désolé, monsieur, je peux rien faire. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas. Je suis désolé, monsieur, ça m'amuse pas, je peux pas. C'est dégueulasse, il tiendra jamais le coup, son bateau va couler. Et la demande d'asile, plaît, je la fais où ? S'il vous plaît, de mon je bateau. Ne sais pas. Bienvenue dans notre beau pays. Major Maury, attendez. Vous le renvoyez à la mer dans cet état ? Il n'a pas de visa et personne ne peut confirmer son identité. Si, moi, je le connais. Yannis, c'est moi ! Angèle ! Angèle Estrella ! Tu te souviens de moi ? Aucun dangereux, Yannis ! Il s'appelle Stepian, vous devez confondre. Yannis, c'est son surnom. Arrêtez la manœuvre, je me porte garante. Arrêtez ça. Vous êtes sûr de le connaître ? J'ai l'air de quelqu'un qui doute, Major. Arrêtez la manœuvre ! C'est bien parce que c'est vous, hein ? Merci, Major.